tout le monde, cette semaine on se retrouve dans une vidéo pour vous expliquer comment coudre une petite trousse d'école toute simple, super rapide. Alors ouais, c'est que mi-août, mais c'est peut-être le moment de commencer à se préparer pour la rentrée. Si jamais vous avez envie de vous coudre une trousse à vous-même, ou si vous avez envie de coudre une trousse à vos enfants, ou si vous avez juste envie de... Ça va trop loin. La trousse qu'on a réalisée dans le tuto et que vous voyez dans l'intro, on n'a pas utilisé de thermocollant pour cette trousse-là. Par contre, on a aussi réalisé une trousse avec du thermocollant pour rigidifier le tissu qu'on a utilisé. Ça lui donne un petit côté minimaliste, un petit côté chic peut-être. Je ne sais pas trop comment décrire ça. Du coup, on est venu appliquer le thermocollant avant de commencer la couture. C'est un thermocollant qu'on avait qui était noir et très très épais. Mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser du thermocollant, c'est juste que le résultat était différent et qu'on trouvait ça intéressant de le mentionner. Et pour les petits curieux, on avait acheté ce tissu l'année dernière à Mondial Tissu et on avait réalisé une petite pochette avec, si vous vous souvenez bien. On vous laisse le lien pour ceux qui l'ont pas vu. Et pour ceux qui sont tombés sur cette vidéo par hasard, bienvenue sur Hello Superette, on est une chaîne de couture et on vous invite à vous abonner parce qu'on poste une vidéo tous les samedis et qu'on est toujours au rendez-vous. On vous laisse avec le tuto. Et du coup, pour réaliser cette trousse, il vous faudra du tissu un petit peu épais de préférence. On avait trouvé le nôtre au marché de Paurat en Thaïlande et on vous laisse le lien du vlog juste ici. Et une fermeture éclair de 25 cm à peu près. Alors on commence par découper un carré de 25 cm par 25 cm. Et comme c'est un tuto assez simple, on va pas venir doubler la trousse, on va venir surfiler les quatre côtés de notre carré de tissu. Pour ça, on vient utiliser un point zigzag et on vient piquer à ras du bord tout autour. On place notre zip face à nous et on va venir faire correspondre l'un des bords de notre carré avec le bord de notre zip. On l'aligne avec le zip de manière à laisser 1 cm devant le curseur et on vient épingler l'endroit de notre tissu avec du coup l'endroit de notre zip en faisant correspondre les bords. On vient changer le pied de notre machine pour un pied spécial fermeture éclair. Comme ça, on va pouvoir venir piquer assez près des dents du zip. Et comme notre zip est plus long que notre carré de tissu, on n'est pas embêté par le curseur de la fermeture éclair et on peut tranquillement réaliser notre ligne droite jusqu'au bout du carré. Et ensuite, on va venir rabattre notre zip pour que l'endroit du tissu et notre zip soient face à nous. Et on fait tout bêtement correspondre le côté opposé de notre carré avec l'autre bord du zip. On épingle et on vient ouvrir le zip pour pouvoir réaliser la couture tranquillement. Toujours avec le pied spécial fermeture éclair, assez près des dents. Et pour que notre tissu reste assez bien en place, au niveau de la fermeture, on va venir surpiquer les deux coutures qu'on vient juste de réaliser, donc tout le long de notre zip. Comme ça, c'est bien propre, on peut venir fermer notre fermeture, retourner notre trousse sur l'envers, et on aplatit notre trousse pour que la fermeture se trouve au-dessus, et on se sert d'un mètre ou d'une règle pour être sûr que la fermeture est alignée au centre. Une fois qu'on est sûr que tout est centré, on épingle le tout, et on va venir coudre les côtés qui ne sont pas encore cousus à 1 cm, et on fait bien gaffe au niveau des dents d'aller tout doucement pour pas péter notre machine. On vous avoue qu'on avait tellement peur de casser l'aiguille de la machine qu'on est venu tourner manuellement la molette de la machine. On fait ça d'un côté, et avant de passer à l'autre côté, on fait bien attention d'ouvrir la trousse parce que sinon on ne pourra pas la retourner après, et ce serait bien con. On découpe ce qui dépasse et on va venir former les petits angles qui vont créer la profondeur de notre trousse. Et pour ça, il suffit de pincer les coins de la trousse. En fait, il faut imaginer une ligne sur le côté et sur la couture et faire en sorte que les deux se touchent. C'est un petit truc tout bête à faire, mais c'est toujours un petit peu compliqué de l'expliquer avec des mots. Et du coup, on espère que les images vous aideront à comprendre. On fait bien attention avant de coudre les angles de rabattre la valeur de couture vers le bas de la trousse, de chaque côté. Et pour être sûr qu'on vient piquer nos quatre angles de manière identique, on vient prendre un repère sur notre machine à coudre et on fait en sorte que la pointe de l'angle qu'on est en train de coudre touche ce repère pour les quatre coins. On coupe tous les angles qui ne servent plus à rien et on vient surfiler pour que ce soit un maximum propre. On découpe le surplus de fermeture, on retourne la trousse et on pousse bien les angles. Et votre trousse à crayon, votre trousse de petit écolier modèle est complètement finie.
Voilà, on espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez kiffé, laissez un petit pouce bleu. On espère que vous avez appris à coudre une trousse à crayon et que vous êtes un peu plus à l'aise avec les fermetures éclair. La semaine dernière, on vous a appris à coudre une braguette. Alors si vous avez loupé la vidéo, c'est peut-être le moment de cliquer pour la voir. Sachez que vous pouvez nous suivre sur Instagram pour être au courant de ce qu'on vous prépare entre deux petites vidéos. Envoyez-nous des photos de ce que vous réalisez, ça nous fait toujours super plaisir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on vous dit à la semaine prochaine et on vous fait des gros bisous. Et si la voix de Léa vous manque, sachez qu'elle travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup en ce moment. Vous pouvez lui laisser un petit commentaire d'amour spécial dédicace. Je suis sûr que ça lui fera trop plaisir. Bisous.